Peuple de lumière, bâtissez pour témoin. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes là, dans l'église de Saint-Étienne de Tinet, pour célébrer 60e anniversaire du sacerdoce du Père Jean-Paul Porcier, que nous connaissons, qui est là de temps en temps, qui est originaire d'ici. Nous sommes là pour rendre grâce pour toute sa vie, toute la bonté qu'il nous a transmise, tous les sacrements qu'il a célébrés ici, la parole de Dieu qu'il a prononcée, pour tous les bienfaits que Dieu nous a donnés grâce à son ministère, grâce à son sacerdoce. Nous sommes honorés par la présence de plusieurs prêtres qui sont là, prêtres originaires de la vallée de la Tinée, qui se rassemblent chaque année pour fêter, pour se rencontrer, pour célébrer la présence du Christ, celui qui les a choisis, celui qui les guide encore. Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. Vous êtes les anciens. Dieu n'a pas choisi des anges pour faire grandir son royaume, mais des hommes choisis parmi les hommes. Certes, on peut regretter que nous ne soyons pas des surhommes, mais dans le fond, n'est-ce pas aussi réconfortant que vous sachiez que nous partageons votre vie, que nous avons un cœur comme vous, que nous avons des faiblesses, des péchés comme vous. Combien de fois, coincés entre notre désir d'être accueillant et celui de dire les exigences de l'Évangile, nous sommes les plus écartelés du monde. Chaque prêtre porte quelque part dans son cœur une souffrance cachée souvent, mais immense, celle de se dire qu'il a peut-être, par sa maladresse, son énervement, éloigné de la foi une famille, voire plusieurs générations de cette famille. Alors, mon tempérament parfois passionné m'a fait commettre des maladresses et j'en demande pardon à ceux que j'aurais blessés. Vos prêtres, mes frères, sont capables de ressentir vos peines, vos peurs, vos découragements. Ils sont des citoyens comme vous, souffrent de la conjoncture, oui, je dirais entre autres, économique, sachant comme vous, devant certaines lois qui semblent écraser les petits. Je n'ai jamais considéré que ma vie de prêtre se cantonnerait dans mon église, ma sacristie ou mon presbytère, mais ma vie de prêtre, c'est de vivre déjà dans la communauté humaine que nous avons choisie. D'ailleurs, le Christ est humain pour que, avant d'être chrétien, nous soyons humains nous-mêmes. Et on peut mettre de la charité lorsqu'il y a de l'humain. Dieu sait mes frères, ce n'est pas un homme divin, le prêtre, et celui qui est dans la religion essaye de relier le mot religion veut dire relier justement, relier les hommes avec Dieu. Et sa fonction est donc de jeter un pont entre cet infini qui est Dieu et la pauvre humanité. Jeter un pont sur l'abîme qui le sépare, qui sépare l'infini du néant. Mais quel homme, mon frère, si parfait soit-il, peut-il bien avoir la prétention d'être cet interprète des hommes auprès de Dieu et de Dieu auprès des hommes? En définitive, il n'y a qu'un seul prêtre, c'est le Christ, lui seul. Et le pontife qui fait le pont
parce qu'il est à la fois humain et Dieu. Comme homme, il touche au rivage humain et peut parler au nom de ses frères, les hommes, mais comme Dieu, il touche au rivage divin et sa parole peut franchir l'abîme, car elle est en même temps parole d'un Dieu à son Père. Alors le prêtre, quelle est sa place au celle d'un simple instrument au service du Christ prêtre, le prêtre au Christ, ses gestes, ses paroles, prêtre au Christ, ses paroles et ses gestes. Quand il dit « Je te baptise », c'est le Christ qui dit « Je te baptise ». De même pour les autres sacrements. Et lorsqu'il dit « La messe », il ne dit pas « Ceci est le corps du Christ », mais bien « Ceci est mon corps ». Il parle donc au nom de notre. Voilà ce qu'est votre prêtre, mes frères. Un homme pris parmi les hommes, un homme d'instrument bien usé parfois, rouillé, défaillant, un pauvre tuyau bien quelconque, et pourtant, par cet instrument, vous est donné la merveilleuse grâce de Dieu, comme je disais tout à l'heure. Alors oui, entourez bien vos prêtres. On dit parfois, retenez-le, que le prêtre ou le curé fait sa paroisse, mais que les paroissiens font aussi leur curé. Amen.